Aujourd'hui, je voulais vous parler des cinq sens et de se reconnecter à soi. Parce que ce matin, j'ai eu une idée. Je me regarde moi, je regarde les gens autour de moi, je regarde les enfants. Et ça m'a fait peur. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Ça m'a fait peur. Parce que, en effet, je vois que finalement, on ne reconnecte plus à nos cinq sens. Quand on regarde ce qu'on nous propose aujourd'hui avec la réalité virtuelle, forcément, il n'y a pas les cinq sens. Donc, on va voir ça ensemble. Se reconnecter à soi, c'est hyper facile. C'est arrêter d'utiliser le mental et reprendre possession de ses cinq sens. Parce qu'il faut réaliser que c'est de pire en pire. Regardez la société aujourd'hui. Vous avez des enfants, vous essayez de leur faire plaisir, vous les amenez à plein de choses différentes, à faire des activités, à toujours plus et parfois à payer des choses pour que ça soit encore plus et encore plus et encore plus. Et finalement, vous vous rendez compte que quand ils arrivent là-bas, ils sont contents de faire l'activité, mais ils vous demandent qu'est-ce qu'on fait après. Ils sont pas dans l'instant présent parce qu'ils n'arrivent pas à savourer pleinement parfois. Alors, c'est pas tous les enfants, bien sûr, mais c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Finalement, les enfants, ils sont comme sur les écrans. Ils vibrent, 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 vibrent. En fait, on pense toujours à plus fort, plus grand, mieux. Faut toujours amener à plus. Et bah en fait, j'allais vous parler des manèges, par exemple. Parce que il y avait les manèges avec les petits chevaux en bois. Bon, j'aime pas, je vais pas vous. Et puis après, il y a commencé à avoir des attractions un peu plus fortes. Et puis maintenant, on est au l'horticoon, au Super 8, au truc qui. Et c'est le défi, c'est ne pas vomir finalement, ou je ne sais pas, ou les trucs qui envoient en l'air. Le défi, c'est de ne pas vomir et de ne pas avoir l'âme qui se décale, je ne sais pas. C'est. Faut s'attacher, attacher notre âme. Si vous n'avez pas compris que ça, c'est pas mon style. J'ai failli vous dire, l'étape suivante, c'est quoi? C'est celui qui va pas mourir, qui va faire quelque chose et qui va pas mourir, qui va être le survivant. On aime dire que ça existait déjà avec la roulette russe, par exemple. En fait, ça existe aujourd'hui. Et ça existe chez les enfants. C'est ça le pire. Enfin, à un moment, il faut s'en rendre compte. Le truc des siphons qu'on retrouve dans les rues, il y a plein de siphons. Des petits trucs à oxygène pour mettre dans les siphons, il y en a plein dans les rues. Alors là, ça s'est un petit peu calmé, mais il y en avait beaucoup. Les enfants qui jouaient au jeu du foulard. Qui s'étouffait. Ça aussi, enfin, je veux dire, en fait, c'est ça, c'est qui ne va pas mourir. Le jeu maintenant, c'est qui ne va pas mourir. Et on arrête quand? On arrête quand? Parce qu'il faut reprendre notre responsabilité. C'est nous, c'est pas les enfants qui ont imaginé ça, c'est nous qui continuons ce manège-là, justement, d'aller plus en plus loin, et c'est les enfants qui reproduisent tout simplement. Bon, et alors, c'est quoi ma solution? Bien, c'est de revenir aux cinq sens. Cinq sens. Eh bien, justement, hier, j'étais en train de me promener et là, il y a une grive. À quoi? À 1 mètre, il y avait une grive, une jolie grive. Et on aurait dit qu'elle essayait de me dire quelque chose. Elle était, mais vraiment, j'ai cru qu'elle allait pouvoir venir sur mon épaule, comme certains. Je m'émerveillais de la beauté de cette grive et je la regardais, je lui parlais. Et je sais pas, il y avait un contact entre nous, on se regardait et j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un derrière qui sortait de sa voiture. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il va penser? Il va me prendre pour une illuminée, je vais être encore prise pour une folle à regarder les animaux comme ça pendant très longtemps. Mais en fait, ça m'arrive très très souvent où de voir une pie, un chat qui sont en train de s'amuser à deux et je les regarde et je m'émerveille. Et c'est ça la solution. S'émerveiller, regarder des petites choses et s'émerveiller. J'en avais parlé dans La prophétie des Andes, alors je ne sais plus quel chapitre, mais ça revient très très souvent en fait. Et on peut continuer comme ça, les anecdotes, c'est comme quand quelqu'un nous demande comment ça va? On répond oui et toi? Et on passe à autre chose. Tout le temps, on fait tout le temps des trucs comme ça. Quand Heidi me demandait comment ça allait quand je rentrais du travail, ça la faisait rire, enfin rire, parce que elle me demandait comment ça va et j'ai bloqué. Mais pendant une minute, hein.
Et en fait, mon besoin, c'était de ne pas lui mentir. Donc, j'avais besoin de me recentrer, de réfléchir et de me dire, attends, comment je me sens? Est-ce que j'ai mal quelque part? Oui, bah oui. Parce qu'en fait, on va jusque-là. On ne sait même plus. On ressent même plus notre corps, donc on ne sait même pas dire si on a mal quelque part ou si on ne se sent pas bien ou on sait plus. Et c'est ça la société aujourd'hui, on nous demande d'être hyper fort, hyper costaud. Alors il y a les personnes qui se plaignent, et ça je crois que je ferai une vidéo aussi pour parler de la douleur et du fait de se plaindre. Mais il y a aussi l'inverse, il y a les personnes qui vont jamais se plaindre. Et après, vous voyez des personnes aller à l'hôpital parce qu'il y a un organe qui a explosé, quelque chose qui s'est mal passé dans le corps, parce qu'on résiste. Et je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai été à Reims, un voyage à Reims, et avant de partir, je fais ma valise et je me tourne et je me prends ma valise sur le coin de l'orteil, mon petit orteil, je l'ai senti, j'ai entendu chrac. J'ai eu mal, j'étais à terre, je pleurais. Et puis je me suis dit, vite, vite, je prépare le pique-nique, vite. Donc j'ai mis de la glace, enfin j'ai jeté un truc de glace en dessous de mon pied pour préparer les salades. Oui, quand on est mappé jusqu'au bout. Donc je m'occupais de ma salade avant tout. Et ce n'est que le soir que j'ai enlevé ma chaussette, après avoir crapahuté toute la journée, que j'ai regardé mon pied. Et j'avais une patate, une petite patate. À la place de l'orteil, bleu, violet, ça descendait bien en dessous, c'était pas joli à voir. Bon, j'ai mis des huiles essentielles, je me suis soignée, hein, mais en fait, je sais très bien que ça n'aurait pas été jusque-là si j'avais pris le temps de m'asseoir, de masser, de mettre quelques huiles essentielles, de mettre de la glace. Je sais ce qu'il faut faire, et la plupart du temps, je m'en sors sans avoir un bleu, sans avoir un coup, parce que je sais ce qu'il faut faire tout de suite. Mais non, je me suis pas écoutée. Et en fait, ça revient à la même chose. Il y a quelques années, je me suis fait renverser par une voiture. J'avais 14 ans, ça remonte. Et pareil, les pompiers faisaient aller mon pied dans tous les sens. Et ils ont dit, bon, c'est que de la bobologie, il n'y a rien de cassé, tout va bien. Et en fait, en arrivant à l'hôpital, j'ai eu une radio et en effet, c'était cassé. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être forte? Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir gérer cette douleur? Alors, qu'est-ce que ça rapporte? Parce qu'en fait, on arrive à faire les choses, on avance, youh, mais après, on perd en temps, en guérison. Parce que finalement, les médecins, ils auraient peut-être pu tout de suite me soigner cette cassure. Et moi, j'aurais pu ne pas avoir de bleu, à mon avis. Donc, je suis forte, je perds plein de temps en guérison. Génial. Que fait un hypnotiseur, un sophrologue, un masseur? Vous allez voir quelqu'un pour masser pendant 45 minutes pour avoir du bien-être. Qu'est-ce qu'ils font en fait ces gens-là? Ils vous reconnectent avec votre corps. Ah ben ouais, parce que pendant quelques minutes, vous allez faire attention. Je me concentre sur mon épaule droite, mon côté droit. Ah oui. Donc vous avez besoin que quelqu'un vous dise par la voix, faites ci, faites ça, faites. J'ai rien contre eux. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon j'aurais pas l'exemple à vous donner. Mais un masseur, c'est pareil, il va se concentrer sur votre épaule, il va vous masser l'épaule. Ah, vous avez concentré. Ah, mon épaule. Ah oui, ah là, j'ai une petite. Ah oui, là j'ai mal, d'accord, oui, là j'ai mal. C'est la même chose. Donc revenons à l'essentiel, revenons à notre corps. Et regardons, vous regardez la personne à côté de vous. Regardez l'animal à côté de vous, un autre animal dehors. Regardez les gens passer, regardez le soleil qui brille, les nuages. Reconnectez-vous à tout ce qui vous entoure et à votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous envoie comme message? Vous pouvez aussi vous connecter à des choses que des personnes ont fabriquées, de l'artisanat, des choses faites et reconnecter avec ce que la personne a mis dedans, l'amour qu'il a mis dedans. On garde des objets, pourquoi? Parce que ça a été un cadeau d'une amie. Même que vous lui parlez plus, on reconnecte avec des choses comme ça. Pour moi, c'est hyper important. Et en fait, c'est la base de tout. La base de soins, si, pour faire des soins, pour visualiser, pour méditer. Si vous n'êtes pas revenu rien qu'à ça, rien qu'à s'arrêter et reprendre, ben, vous n'arriverez à rien. Alors oui, vous pouvez vite, 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 et puis de toute façon, il y aura toujours quelque chose d'autre à faire.
veux dire, c'est comme les vidéos. Si je veux, je peux en tourner 4 par jour et faire des montages toute la journée et exploser mes yeux, il n'y a pas de problème. On peut le faire. On peut toujours trouver 10 milliards de choses à faire, 10 milliards de choses à dire sur tous les réseaux sociaux. Reconnectez-vous d'abord à vous, à ce qui vous entoure. Voilà, c'était mon meilleur conseil. Je pense que je ne peux pas faire mieux. En fait, c'est la vidéo avant la visualisation. Alors, et vous? Est-ce que vous avez une astuce? Est-ce que ça vous a aidé? J'attends vos commentaires. Comme d'habitude, on avance ensemble. Et on vous envoie plein de bisous. À la prochaine vidéo.